Ouais, salut les noobs, c'est Spawn. Bon, ça fait un bail que j'ai pas posté un petit commentaire. Donc là, rechercher destruction sur Karachi. Donc, comme classe principale, intervention. Bah, Recherche comme et d'hab. destruction. Défendez Donc là, l'objectif. bah, passe-passe pro, force up, heavy destroyed, quoi. Donc là, ouais, ça fait un bail que j'ai pas posté de commentaire parce que j'avais un petit peu la flemme en ce moment. Bah, j'ai pas mal d'assez bons reçus en recherche, donc je pense que je vais en poster souvent. Donc là, je m'en fais un premier. Donc là, on va voir Draven, le gros mongol qui passe, qui court comme un mongol. Voilà. Bon, il y a aussi pas mal d'endroits où je fais comme ça des accélérés, parce que au final, ça faisait genre 12 minutes et quelques, donc pas assez de temps. Pas trop gros pour YouTube. Donc là, j'en tue un premier. Je vais prendre son nacer avec capteur cardiaque, nickel. Donc là, je me retrouve en 1v3. Non, 1v4, 1v4, donc j'en tue un. Je suis le premier. Donc là, maintenant, je suis en 1v3. Je vais mettre mon drone. Là, il y en a un qui passe, mais il s'est barré. Donc je vais faire le tour. Parce que là, comme vous avez vu, ils ont posé la bombe. Donc, il y en a un en bas. Donc là, ouais, j'avoue, je galère. Donc là le deuxième il s'est mis à la fenêtre. Donc là j'ai plus de balles. Donc bah, je vais prendre l'intervention. Regardez-moi ce campeur qui s'allonge là comme une vieille merde. Donc là je crois que j'ai le temps pour désamorcer. Puis bah en fait non. Tant pis. Voilà ouais je disais que j'avais pas mal de vidéos en recherche et destruction et des bons ratios. Donc je vais aussi essayer de me faire une petite bombe nucléaire peut-être aujourd'hui. Comme ça, pour changer un petit peu, et puis bon, c'est quand même sympa ici, bombe nucléaire, parce que on voit un petit peu, enfin, ça dépend des armes et tout. Enfin, moi j'aime bien quoi. Moi j'aime bien, moi. Donc là, je bande son Predator. Boum boum. Donc j'en tue un. Bon, dans la game, j'étais avec Melody, Swifty, Legend et Draven. Bon, vous allez souvent voir en haut à gauche la Draven qui parle parce que ce type, je sais pas comment il fait, il parle tout le temps, il s'arrête jamais. C'est pour ça, à un moment, il avait plus de live, on était soulagé. Non, je rigole. Non, mais ouais, j'avoue, bon, il est sympa, mais il parle tout le temps. Je sais pas comment il fait. Donc là, j'en vois un. Donc j'ai dû m'y remettre à 3 fois pour l'avoir. Donc là, il en reste plus qu'un. Et où qu'il pose? Il pose en B, le connard. Donc là, je refais le tour comme tout à l'heure. Pop, 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 il se cache où. Donc là, il me reste ouais, 22 secondes, donc j'ai un petit peu le temps, donc je regarde bien où il est. Donc là, tac, avec mon écran HD, je vois qu'il bouge là-bas. Donc boum. Donc là, je suis descendu. Et là, j'ai le temps de désamorcer. Wouhou! Voilà, bombe désamorcée. Bon, manche suivante. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage parce que là, mon Sony Vegas il a bugué donc j'ai dû me reprendre à 2 fois là donc voilà. Donc là, j'ai balancé mon quiz stratégique. Donc là, j'ai eu un drone. Donc là, Draven là il parle à mort là. Là pendant 2 minutes là, il s'est pas arrêté le canard. Hein. Ah, mais là, il est chaud. D'ailleurs c'est bizarre que Swifty l'insulte pas parce que d'habitude à force de parler ah, ta gueule, ta gueule. Bon donc là j'ai mis mon drone, donc là comme ça on peut voir où ils sont, comme il reste pas beaucoup. Donc là pop-up j'essaie de monter mais là je me suis loupé. Donc là on se dirige en B. Donc là je voulais faire start parce qu'en fait si par exemple il y a un de nos potes qui se fait tuer, si on appuie sur start même s'il est silencieux on peut voir le point rouge en fait. Donc là j'ai essayé de faire ça pendant 2 fois là et comme un con en fait j'ai allumé Xbox Guide. Donc voilà. Donc là j'ai vu la bombe par terre. Donc là je vais me cacher. Et regardez-moi. Oh putain connard. Connard connard. Bah voilà. Ah bah voilà, je me suis fait tuer. Voilà. Donc là, il reste les jambes. Ouh beau gosse. Bon les jambes c'est un petit peu le PGM au barrette quoi. Il a tout du premier coup, hein. C'est un petit peu un fou quoi. Attention, attention. Boum, ouais. Ouais.
Voilà, il est heureux. Bon, quatrième manche. Let's go. Here we go. Bon, là Draven il commence à chanter, donc là Swift il lui dit ferme ta gueule. Normal. D'ailleurs Draven ça fait un bug, je l'ai pas vu, parce que maintenant il revient toujours sur Gears of War là. Donc voilà. Donc là j'attends de voir s'il y en a un qui passe. Boum. Voilà, même si tu cours vite, je t'ai eu connard. Donc là on va monter. Pop pop pop. Donc là accéléré comme d'hab, il se passe rien. Allez hop. Donc là, je vois par terre une AC, la serre de tout à l'heure. Capteur cardiaque, donc nickel. Donc il en reste deux. Donc le premier, allez monte-toi connard. Boum. Après là je crois que les balles elles partaient de la gauche et en fait non de la droite. Donc là, moi j'ai fait des boîtes. Donc, voilà. Voilà Draven le gros mongol qui tente des 3-6 alors qu'il en reste deux, tu sais. Mais le type à chaque fois on lui dit ouais tente des belles kill-cam mais quand il en reste un tu vois. Et le type genre il en reste 3 il va tenter les 3-6 devant lui. Donc voilà le type c'est un petit peu... Voilà quoi. Je vous laisse imaginer. Bon, donc là il se passe rien comme d'hab. Donc je monte, bah là ils campent chez eux. Donc là, boum, type camp au respawn, hein, s'allongeant. GG l'artiste quoi. Donc là il y a un petit peu de la baston là. Attention il reste top 4 les gars, top 4, putain. Oh putain, on sort des boîtes. Bon. Alors là, bah je cherche. Voilà. Donc là on a encore 3. Mais le type il bougera pas. Donc c'est juste à la fin en fait qu'on va voir qui tire. Mais j'aurai pas le temps de l'avoir. Donc là je bouge. Je tire à travers le mur. Je le touche mais voilà il meurt pas. Dommage. Bon au fait cette vidéo normalement on sera posté je pense après mon kill cam épisode 9. Donc voilà. Bon pour l'épisode 10 je vais faire un petit spécial gros skill cam. Donc déjà je sais qu'il y aura deux gronoscopes, vous allez halluciner mais. Et voilà quoi. Donc là le Pavlo, bah ouais l'ennemi il avance un Pavlo. Donc là je suis tout rouge. Voilà, je commence à bouger et puis voilà le connard. Voilà. Bon, voilà, je vous. Regardez ce qui se passe quoi, il reste Draven. C'est un peu le PGM sur sur code quoi. Donc voilà, allez hop, il court, le furet, nanana. Et là, et oui, voilà. Là, vous avez sûrement pas entendu, mais on entend Melody qui se tape une barre parce qu'il est mort quoi. Mais Draven c'est horrible parce que. Lui il joue plus à Gears of War, sur code il est pas habitué, il a jamais joué au 4 et tout, donc à chaque fois qu'il reste tout seul on se tape des barres. Donc là, ça repartit, bah là dernière manche, donc là il y a 3-3. Pop, changement de d'host. Donc là ouais, je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais notre nom de clan, enfin le petit dessin en fait c'est un gros requin avec un gros non-œil. Donc voilà c'est. Bon, il y a eu le gros poisson, après le gros requin, après l'oiseau, ou le petit poussin, je sais plus. Donc là, bah, comme on a nos GT modés, bah là on fait plus rien. Donc là, j'ai récupéré une arme. Donc là, il y en a un qui vient, hop, wallbang, oh my god, je suis une beast. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Kevin the Boss, là. Franchement, si vous avez pas vu, mais fallait la voir, c'est monstrueux, quoi. Coup de couteau, je suis un pro. Donc là j'en tue encore un, donc là c'est le dernier. Comme on peut voir en haut à droite. Donc là je mets mon drone. Il se cache à l'intérieur, donc là... Pomme, il ressort. Donc voilà, on gagne 4-3. Bon, j'ai pas utilisé beaucoup l'intervention quoi, mais j'ai beaucoup ramassé des armes. Donc au final, ratio 18-3. Donc voilà, bon. Bah à la prochaine et n'hésitez pas à mettre des coms, ça serait sympa, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à moi comme ça, plus il y aura d'abonnés, plus je mettrai de vidéos et puis voilà quoi. Bye bye.